Anonymous check. Comment je vais ça? Moi, je suis libre, en tout cas, si vous cherchez encore quelqu'un pour fourrer. Elle est bonne. Avoue qu'elle est bonne. Elle est très bonne, si tu permets, je vais la rire avec mes pieds. Oh, règle de base dans ma profession. Rien n'est jamais définitif. Même pas la première impression que je me suis faite de vous. Le duo, j'aime ça, j'aime ça. Ça va bien aller, ça va bien aller. Stratégie numéro 1, jamais un communiqué pour dire que Didier Lucien vous a croisé tout le temps du tournage de Pure Laine. Mais c'est pas vrai. On n'est pas dans le business du vrai et du faux, là. Non. Ce qu'on veut faire, là, c'est défaire ce qui est en train de se faire dans tête du monde. Pis ça, c'est quoi? Ben, c'est l'image de Michelle Manchik, hein? Une actrice dans la quarantaine, qui a de moins en moins drôle, qui est pas capable de garder un homme, puis qui essaye de se taper un noir en sachant pertinemment qu'ils ont souvent un fait pour les femmes matures et enrobées. Ah, ouais? Je vois ça, ouais. Ah. Je veux pas dire que Didier me croisait pendant Pure Laine. Non, OK. Stratégie numéro 2. Vous étiez seul le soir du drame. Ah, ben ça, ça te ressemble plus. Oui. On lance sur les médias pour checker la réaction. Il n'y a plus personne qui va vouloir m'engager si j'ai un problème d'alcool. Mais vous avez une dépendance sexuelle. Alcool. Ah. Si vous sentez un backlash dans votre vie professionnelle, là, ben vous prends en photo devant les maisons Jean-Lapointe en train de faire tata à vos amis. Puis vous voulez en cure de désintox. Wow! C'est brillant. Non, c'est comme ça que vous faites ça. Puis tout est fini, on n'entend plus jamais parler. Hey! On se recroise en 5 ans, vous vous rappelez même pas de moi. M'étonnerait. Je dois combien? Gardez votre argent, je fais ça pour un plaisir. Pour vrai? Vous allez recevoir ma facture par la poste. Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler une petite seconde? J'avais un conseil à vous demander. C'est pour un gars. J'ai l'air complètement débile quand je suis devant lui, puis je me demandais quoi faire.